Hey, salut tout le monde, c'est Idalia. Aujourd'hui, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va faire le challenge de la sixième génération. La génération, eh bien, qui a le moins de Pokémon dans le Pokédex. On a uniquement 10 minutes cette fois-ci. Donc, on va se dépêcher, tout simplement. J'espère tous les trouver. Voilà, il y a des Pokémon un petit peu oubliés dans cette génération. Donc, voilà, il faut y penser. Et de ce pas, on va tout simplement commencer ce quiz. Voilà, donc c'est parti. Donc on a les starters Marisson, Beau Guéris. On a Blain des Pics, bien sûr. Ensuite on a Fennec. On a Roussil. Mince, Roussil. Voilà. On a Goupelin. On a donc Grenousse, Croix-Poral. Ensuite, c'est Amphinobi, bien sûr. L'Amphinobite. Ensuite, on a Sapero. Excavaren. Attends, j'écris quoi là? Excavaren. Yes. Ensuite, on a l'oiseau. Passe rouge. Brésillon. Brésillon. Flambusard. L'épi d'O'Neill. Pérégrin, Prismillon, ok, Élionceau, l'évolution c'est quoi? Élionceau, merde, Élionceau, le lion là, ah, j'ai oublié son nom, l'évolution du lion, merde. Ah, en plus, il l'avait, Haricot, il le jouait, mais je m'en rappelle plus. Ah, ça va peut-être revenir, je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est confus. Faut que je passe à autre chose. Ah, putain, c'est... Némélios! C'est bon. Némélios, putain, c'était dur. Ok, alors. Ensuite. Donc là, on a fait un petit peu toute la première zone, là où il y a l'arène, hein, et la forêt. Ok, ensuite on arrive, on a Fla bébé, Florge, et c'est quoi le... Floette, Floette, ok, Floette, ensuite on a quoi? On a des insectes, on a Pyrène, tout ça là, dans ces zones-là, est-ce que j'en oublie, est-ce que j'oublie des Pokémon dans la route avant Illumis? Suis pas sûr, je sais pas là, je sais pas... Je suis pas 100% sûr de moi. Bon, en tout cas, on arrive à Illumis, il n'y a rien. Ensuite, la route où on doit aller justement à la deuxième ville, ou enfin la deuxième ville, le deuxième badge, on a Chevroom, enfin Cabriolaine, Chevroom. On a également Pandespiègle et Pandarbar. On a, je sais plus s'il y a déjà Pitrouille, non, je pense pas, mais bon. Ah mais non, je pense pas. Pitrouille et Banchitrouille. Trouille. Trouille. Voilà, c'était compliqué. L'autre, c'est Brocélome et Décéliandre. Ok. Ok, donc on a fait les spectres. On a quoi? On arrive dans la petite grotte nulle. Il me semble qu'il n'y a rien du tout. Il y a des Nosferaptyr à cailloux peut-être. Ensuite, on arrive dans la route de la falaise. La falaise, il n'y a pas grand-chose. On arrive dans la ville du deuxième badge. Là, il y a Amagara, Drag, Mara. Ensuite, Petit Rat Nidur et Rexilius. Ok. Dans la petite grotte reculée, là où il y a la Team Flair, me semble qu'il n'y a rien de spécial. Hein. Il y a Mizzlybulle, Kangourex, il y a Solarok, ce genre de truc. Non, il n'y a rien, me semble. Quand on continue vers le nord, on a ah, on a Venalgue quand on pêche et Cravaresh également. On a Aupermine et Golgopath. Yeah, on a quoi d'autre? On a Brutalibré. Ici. On a Brutalibré. On en a trouvé 39 sur 72. C'est pas beaucoup, mais bon. On a Brutalibré. On a.
On a ça. Ouais. Là, je suis un petit peu au-dessus de la deuxième ville. Enfin, du deuxième badge, je veux dire. Est-ce que j'oublie des choses? Probablement. Je sais pas trop. Me semble pas. Bon, continue. Ensuite, on arrive là où il y a toutes les pierres nulles. Là où il y a l'arme de. Bah, on peut faire les légendaires, hein. Yveltal, Xerneas, Zygarde, bien sûr. Ou pas. Ainsi que Diancie et Volcanion. On a. Ah, mais oui, on a la grotte là. La grotte, elle est juste après. Et il y a Stracie dans la grotte. Ouais, il y a Stracie. Il y a quoi comme Pokémon Roche à part Stracie en fait? Et puis Tyranidur? Pas trop. J'avoue que je sais pas. Il y a quoi dans la grotte? Il y a Kulbutoke, Stracie. Sais plus trop. Ok, bon, passons. On arrive après dans la ville. Bah là où justement on a le méga bracelet. Ouais. Ouais. Et dans cette ville, l'arène est de type combat. Mais le seul Pokémon combat, c'est Brutaliban en fait. Hein. Ouais. Donc c'est pas trop ouf. Ensuite, type glace. Ah oui, il y a Grelasson. Seracroule. Ok. On a Sonistrel et Bruyvern. Ok. J'oublie les dragons là. Comment ils s'appellent? Muplodocus. Ça, c'est le dernier. Mais du coup, Colimucus. Et l'autre, c'est quoi? Le petit. Gloom. Gloomy ou un truc comme ça en anglais, mais. Merde. Ah, je sais plus. On oublie masse. Mort S20. Mort S20. Mort S20. Type fée, on a un Nymphali. On a Trousselin. Ouais, ah oui, c'est vrai. On avait quoi encore en type fée? Ah, mais oui, les machins là. Fluvetin. Cocotine. Machin là, Sucroquin, Quin et Cupcanaille. Ouais. On a quoi? On a bah, des dennes, hein, bien sûr, faudrait pas l'oublier, des dennes. En type électrique d'ailleurs, il y a que ça, non? Des dennes? Ah, je sais plus. Il a quoi le champion du cinquième badge? Des dennes? Type psy. Ouais, il a des dennes, mais après, je sais pas. Je crois qu'il a Moga, mais rien à voir. Ah, c'est dur en vrai. Je m'en rappelle plus là. Je m'en rappelle plus. C'est confus dans ma tête. Il m'en reste très peu à trouver. Quelques familles, hein. Rien de bien méchant, mais. Je trouve pas. Je trouve même pas la pré-évolution de Colimucus. Ou compliqué quoi. Ouais. Ouais, là je sais pas. Coiffarel? Coiffarel? Ouais. Ouais. Ah, attends! Comment il s'appelle? Exagide, bien sûr. Exagide et Dimoclès. Et Monorpal. Ah, bien sûr. Comment j'aurais pu les oublier? Mais là, j'avoue que je sais plus, je sais pas. Mort S9, enfin, non. Mort S8, parce que la pré-évolution de Colimucus, je vois pas le nom, mais je le vois ce que c'est, hein. Mais voilà. Mucuscule? C'est ça? Mucus. Skull. Skull. Mucus. Skull. Putain, trouvé. Voilà.
Donc, il m'en reste 8. Je vois plus vraiment là. Il me reste 30 secondes. C'est ouais, c'est des Pokémon qui. Ah, Gamblast! Et comment il s'appelle? La pré-évolution? Gamblast et. Qu'une idée, hein. Vraiment, aucune foutue idée comment il s'appelle. Mort à 6 du coup, hein, mais je ne sais pas comment il s'appelle la pré-évolution de Gamblast. Ok. Et du coup, on a oublié Psytigris, Mystigrix, Sepiatrope, Sepiatos, c'est vrai. Flingouste, hein, du coup, et Galvaran, Igualta. C'est un peu dégueulasse parce que je l'ai en plus dans le let's play de Resolute. Ah là 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 là. C'est compliqué, hein. Nous en manquait pas beaucoup, hein. On a fait 90% et le bas égale 79 personnes. Voilà. La moyenne est de 43 quand même. Hein. Putain, la moyenne est dégueulasse hein, de ce jeu. Le meilleur score est de 65. Oui, bah oui, c'est normal. Bon, en vrai, Flingouste, on l'avait. C'est juste que, voilà, le nom ne me revenait pas. Ensuite, il nous manquait au final que 3 familles, puisque c'est des Pokémon qui évoluent. À chaque fois. Si tu as un Pokémon de sa famille, hop, tu as l'évolution. Donc ça, il nous manquait que 3 Pokémon au final. Ça va, c'est tranquille. Bon, je pense qu'on peut être fier de nous. Et du coup, la semaine prochaine, eh bien, ce sera le dernier challenge de cette série. La 7e génération, la toute dernière, qui risque d'être pas très facile non plus. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, bien sûr. Et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour eh bien, le dernier quiz eh bien, de cette chaîne de vidéos. Des bisous tout le monde et bye bye!